Alors pendant la task force, nous avons établi un dashboard qui regroupait les 10 principaux indicateurs, donc des KPI, j'allais dire valables un peu pour toutes les activités. Donc on les a fait voter et ils ont élu ces KPI. Et on a eu plusieurs sortes de KPI, typiquement des KPI très très concrets, type la note dans les stores. On a eu des indicateurs vraiment très orientés chiffre d'affaires et génération de business avec un panier moyen, avec l'augmentation du CA généré grâce au canal mobile. Et puis on a eu d'autres indicateurs plus en termes d'activité avec le taux de téléchargement, le taux de rétention et tout ce genre de sujet. C'est vrai que pendant la task force, on a eu des gens qui venaient d'horizons divers, des gens du retail, de l'industrie, de la banque, etc. Et on a vu se créer une espèce vraiment de communauté, d'intérêt, j'allais dire. Et des gens de la banque, en entendant les témoignages des gens du retail, ont dit: Ah, c'est pas du tout mon métier, mais je pourrais sûrement l'appliquer là-dedans. La notion de guérilla test, justement, pourrait s'appliquer à la limite à n'importe quelle application et n'importe quel domaine qui serait relevé. De même, alors on parle aussi du RTG pour le rally testing game, dans ce genre de choses. On a parlé d'exploratoire, on en parlait. Voilà. En fait, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être réutilisables d'un domaine à l'autre, quelle que soit l'app que l'on a. Et je pense que c'est ça qui est. Les gens de la task force se sont aussi enrichis en fait par les expériences des autres, même s'ils n'étaient pas du tout dans le même domaine. Se poser la question de savoir s'il faut travailler dans une méthode agile en termes de POC, du coup, de tests, etc. Je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus large et que c'est plus relatif au digital. Et si on doit résumer le digital d'une certaine manière, il y a beaucoup de gens qui le résument en disant: on peut se tromper, mais il faut se tromper vite. Et du coup, l'agilité, justement, doit permettre de se rendre compte si on est sur une mauvaise voie, mais surtout de travailler en sprint vraiment itératif, très, très, très rapide, pour savoir si on se trompe ou pas. Et dans ce cas-là, se corriger et s'améliorer, c'est quand même le but final. D'accord.